bulgare. Quand je dis l'ensemble bulgare, c'est que la discipline ensemble, pour cette finale d'aujourd'hui, rassemble 4 cerceaux et 2 paires de massues. Mais les jeunes filles doivent évoluer en synchronisme parfait. Et c'est avec, bien évidemment, Denis Nadine Glaser que nous allons essayer de disséquer tous ces lancers. Exactement, Pierre. Donc l'ensemble est composé de 6 gymnastes. Vous allez voir quelques échanges avec 6 gymnastes, des échanges en duo. Premier échange. Grand lancé, échange suivi avec les massues. L'ensemble bulgare est un ensemble qui prévoit des compositions très originales. C'est un peu la qualité des Bulgares. Et d'autre part, les gymnastes sont de grande qualité technique également. Et lorsque l'on vous parlait d'adresse, vous le verrez lors de la finale des massues. Vous l'avez déjà perçu un petit peu lors de la finale du cerceau, mais il y a une maniabilité, il y a quelque chose de magique dans cette GRS, c'est que ces jeunes filles arrivent à se lancer le cerceau ou les massues avec une précision au millimètre. Cette précision, on la retrouve notamment dans les ensembles. Les gymnastes plantent les cerceaux et les massues exactement à l'emplacement obligatoire. Alors bien évidemment, pardon, la Bulgarie évolue sur une musique qui n'est pas très originale, c'est un folklore bulgare. En revanche, vous verrez au cours de cet après-midi qu'il y a une recherche musicale, notamment dans les individuels. Et vous retrouverez des partitions musicales très connues. Mais là, pour l'instant, la Bulgarie enflamme Bercy. Enchaînement de la part des Bulgares sans aucune faute, avec un lancer original, lancer du pied. Troisième des derniers championnats du monde, la Bulgarie va devoir.